Le vase est très beau, je ne vous mentirai pas, pas à vous. Merci, merci. Il le dit, c'est mon fils. Il m'avait dit ma tante, mon cousin, mon frère, mon ami. Je n'avais pas réagi. Je relève la tête. Et je le vois. Il a mon âge. À cet instant, je l'ai vu. Mon superbe ennemi. Le titre de ce projet est Phèdre. Il s'agit d'un récital de piano avec monodrame. Quand j'ai lu pour la première fois Phèdre de Jean Racine, j'ai été vraiment surpris et impressionné parce que je crois, j'ai compris qu'on trouve chez l'être humain des émotions très délicates qui ne se réduisent pas au plaisir, la tristesse, l'ambition, l'espoir et le désir, etc., qui sont vraiment définissables par des mots. Mais aussi, je crois, il y a des émotions, certaines émotions, qui sont inexprimables par des mots. Ô haine de Vénus! Ô fatale colère! Dans quels égarements l'amour jeta ma mère? Aimez-vous? De l'amour j'ai toutes les fureurs. Pour qui tu vas jouir le comble des horreurs? J'aime, à ce nom fatal je tremble, je frissonne. J'aime qui? Ce que j'ai essayé en fait d'écrire à partir de la proposition de Philippe Djongdo, qui était d'écrire un texte sur Phèdre, d'après Phèdre de Jean Racine, pour être joué par une actrice, accompagnée de Philippe Djongdo au piano sur des œuvres pour clavecin de Jean-Philippe Rameau. J'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie de me trouver des raisons. J'essaie de ne pas jouir de ma fureur. Philippe Djongdo propose une version moderne, une interprétation moderne d'une ancienne partition. Et c'est ce trajet-là que j'ai eu envie de faire en écrivant mon texte de Phèdre. C'est-à-dire que c'est un texte contemporain, original, que j'ai écrit à partir de Phèdre de Jean Racine, mais aussi à partir de toutes les autres Phèdres, puisque Phèdre est un mythe ancien qui raconte donc l'histoire d'une femme en proie à un amour pour le fils de son mari. Oui, oui, comme justement il s'agit d'une connexion entre ton phrase et mon phrase, parce que ton phrase, c'est aussi le début de mon phrase. Lui, il commence sa phrase à mi, ennemi. Et en fait, il continue le. Je voulais dire avant. C'est ça qui est. Oui, oui, mais c'est lui, il t'attend avec sa pédale. Mon superbe ennemi. Et là, pour lui. D'accord, ok, ok. On s'est dit, voilà, il faut dévoiler ce que le texte de Racine ne dit pas, mais qu'on entend comme un secret, en fait. C'est-à-dire donner à entendre ce qu'il y a dans son cœur. Toi qui es parti, toi qui m'as laissé, toi qui sors victorieux de tes conquêtes jusque dans les profondeurs de la terre, j'essaie de te dire que ta grandeur est ce qui fait de moi une salope. Donc pour cela, je suis très heureux d'organiser ce projet avec Raphaël Bouchard, la comédienne, et le dramaturge Clément Camard. Merci. Je le regarde et je comprends. Je comprends de quoi tout cela est le nom.